Bon, 11h27, je rentre du vide-grenier. Les prises du jour, cette fois-ci, je reviens pas les mains vides. Un bouquin d'Uno pour les nuls, qui a l'air assez pourri en réalité. Je l'ai pris plus pour le fun, mais bon. Quand je vois qu'en toute fin de bouquin, les exemples sont assez minables, il y a quelques shells en exemple. Des bouts de code qui font à peine 2 pages. Des trucs que normalement on fait dans le premier kit Arduino que j'avais acheté. Les exemples qui sont là, on est à peu près à la moitié du bouquin. Franchement, c'est des exemples qui sont normalement en tout début de bouquin, quoi. Et pas en page 200 et des brouettes. Donc je pense que je me suis fait un petit peu enfler là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait plaisir quand même de l'avoir. J'ai pris 2 petits CDR 80 mm jamais utilisés. Un joli petit kit de compas de précision, il y a des petits points de rouille, mais ça a l'air d'être des rouilles de surface, donc ça va être nettoyable. Le velours, pareil, il est très sale, mais il est absolument pas déchiré ni rien du tout. Donc ça va être assez facile à rénover. Même la boîte est facile à restaurer, puisque à part les coins un petit peu abîmés, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc je vais bien m'amuser à rénover ce truc-là. Et surtout la règle à calcul. Avec sa boîte complète. Donc le monsieur est un peu déçu de la vendre à seulement 8 euros. Surtout que j'ai pris aussi le kit de compas, le tout pour 10 euros seulement. Mais bon, c'est la madame qui a négocié, donc du coup, il s'est un petit peu fait avoir, mais bon, tant mieux pour moi, tant pis pour lui. N'empêche que s'il voit cette vidéo, il saura peut-être que ça va chez quelqu'un qui va respecter son matériel, qui va le rénover tranquillement, et en prendre soin, parce que manifestement, c'est un souvenir de famille. Donc je suis reparti de là-dedans, voilà, avec toutes ces petites babioles. Et délesté évidemment de 15 euros. Mais bon, pour trouver tout ça, il a quand même fallu que je fasse le vide-grenier de l'Ardenne, celui de Blagnac, celui de Colomiers et celui de Quinte-Fonce-Grive. Et accessoirement, donc un total d'environ 30 minutes de bagnole facile à l'aller et autant au retour. Mais bon, c'est pas grave.